C'est un moment où on essaie tout simplement de faire partager Thierry Consigny et moi-même notre passion pour l'art. Ça s'appelle « Quand l'art déborde ». On le fait Laurent Lebon et moi depuis pas mal d'années. C'est sur les relations entre l'art et ce qui n'est pas l'art, l'économie, la politique, la société. Le culturel de manière générale, le social, etc. Trying to understand the ways in which our society interacts with art and the way art interacts with our society. Laurent Lebon, il est aujourd'hui président du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou, depuis 1977, a été vraiment au cœur de tous les débats et ça reste une magnifique usine à rêves si on peut faire partager certains d'entre eux avec les étudiantes et les étudiants. Moi, je suis publicitaire et donc il y a un cours sur art et publicité, comme il y a un cours sur art et luxe, etc. Mais ça n'est qu'un des aspects. Bon, si certains peuvent être tentés par l'aventure musale, c'est génial, mais c'est plus le principe d'être un déclencheur. Alors moi, je veux bosser dans l'associatif, mais du côté artistique, donc je veux travailler, je veux faire du design graphique, et je fais de l'art aussi à côté, donc c'est des problématiques qui m'intéressent, problématiques sociales et problématiques artistiques. Il y a des artistes, il y a d'ailleurs des élèves des Beaux-Arts qui font Sciences Po en plus et qui sont là, mais il y en a qui vont travailler dans des musées, il y en a qui vont travailler dans des maisons d'enchères, des maisons de vente d'art, il y en a qui vont travailler dans la musique, il y a toutes sortes de... ou simplement dans des maisons de luxe mais qui ont des liens avec le monde de l'art, et ça c'est très très varié. I think that this course will really help me to understand the ways in which the art I'm hopefully communicating on behalf of can have an impact on society, on its audience, in a really profound way. C'est à la fois reproductible dans la vie professionnelle et en même temps il y a beaucoup de choses abstraites aussi sur comment est-ce qu'on conçoit l'art. Est-ce que l'art ça doit être une marchandise? Est-ce que les liens par exemple entre art et luxe, on en a beaucoup parlé ça. Donc il y a des choses qui sont très concrètes et des choses qui sont un petit peu plus philosophiques, je dirais. Je crois que ce qui fait la différence d'une institution, et notamment Sciences Po, c'est ce qu'on a appelé toujours, de manière assez magique, les enseignements d'ouverture. J'ai la conviction profonde, intime, etc., que la vérité du monde est poétique. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Jean, au commencement était le verbe c'est la poésie. Ce qui fait que vous êtes vivant, que je suis vivant, etc., en fait, ça relève de la poésie.